رجعنا لكم من جديد والتحق بي ضيوفي اللي باش نرحب بيهم مسيو ماتياس نجي ممثل عن منظمة الأمم المتحدة. بيانفوني مسيو. Merci madame, merci au panel et merci pour la Tunisie. Merci beaucoup. سي الدهماني إسلام عضو من المكتب الوطني لمنظمة التربية والأسرة. عسلامة سي الدهماني. أهلا وسهلا. الله يسلمك. شرفنا بحضورك. مرحبا بك. يعيشك. باش نرجعوا كما قلنا للموضوع الثاني لليله اللي هو موضوع الشراكه بين منظمه الامم المتحده والجامعه المتوسطيه بتونس حول تخصيص اكثر من 12,000 منحه للدراسه مخصصه للافارقه بتونس. باش نبدا النقاش مع مسيو ماتياس انجي اللي هو ممثل عن منظمة الأمم المتحدة. مسيو انجي، voulez-vous nous expliquer l'importance de cette convention؟ Bonsoir madame. Bonsoir. Bien, bonjour. Merci, et merci beaucoup. Bonsoir également à tout le panel, à tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous écoutent. L'importance, déjà, c'est déjà de mentionner que Nouvelle Perspective, qui est une organisation internationale non gouvernementale, a été créée en 90, ça fait 34 ans qu'elle existe. Et dans ces 34 ans qu'elle existe, elle a fait des actions humanitaires dans plusieurs pays où elle a exercé en qualité d'observateur international. C'est le but de Nouvelles Perspectives en Tunisie aujourd'hui, où nous avons observé plusieurs fois les élections en Tunisie et nous avons voulu accompagner les membres de l'organisation à bénéficier de l'éducation. Et on sait aujourd'hui que la Tunisie est meilleure en Afrique dans l'éducation des étudiants et tout ce qui, même les membres de Nouvelles Perspectives. Alors l'importance ici, c'est d'améliorer le système éducatif en Afrique et de faire bénéficier des bourses aux étudiants africains de venir étudier ici en Tunisie et ensuite, pourquoi pas, aller dans les pays où nous sommes déjà installés. Nouvelles Perspectives est la seule organisation africaine qui fait des missions d'observation en Europe, en Suisse, où nous avons un siège. D'alors, si les étudiants africains viennent ici en Tunisie fréquenter, et dans le cadre de la convention qu'on a signée avec l'université, alors on pourra avoir un grand marché d'emploi en Europe, particulièrement en Suisse, où nous sommes installés. C'est l'importance que nous avons ficelée avec nos partenaires pour que ce partenariat bénéficie pour les étudiants africains. Merci beaucoup, si Mohamed Sami. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes honorés de ta présence. Merci. Alors, votre. C'est-à-dire Nouvelle Perspective, d'accord, on n'est pas habitué à entendre ce nom. De toute façon, peut-être que vous êtes nouveau en Tunisie, mais c'est d'abord, dès le début, est-ce que cet accord que vous avez fait, avec qui? Avec Imantit, c'est une institution, c'est une université qui est basée en Tunisie, qui fait d'habitude dans l'éducation des étudiants qui viennent de l'Afrique et qui sont aussi résidents en Tunisie. D'accord. Est-ce que vous avez coordonné avec les autorités tunisiennes en place? Bien sûr, oui. On ne peut pas signer une convention sans autorité tunisienne. Ils sont informés. Ils sont informés. Oui, bien sûr. Et vous avez vu leurs accords? Bien sûr. Très bien. Tout d'abord, va expliquer pour le spectateur en arabe. Voilà. Bien sûr. Donc, justement, je donne des questions, réponses, bien pour qu'on comprenne. Bien sûr, tout à fait. Alors, je vais avoir votre comité de presse, donc c'est complètement vague et on ne peut pas beaucoup comprendre. Ouais. Donc, cette université que vous avez fait avec elle l'accord, c'est une université privée. Privée. Okay. Exactement. Et vous me dites maintenant que vous êtes, c'est-à-dire les autorités tunisiennes, a accepté cet accord et l'a ratifié. Bien sûr, l'accord a été ratifié par l'université privée, que je pense que l'université privée a son agrément. Donc, ce n'est pas encore fait. Ah, ils n'ont pas d'agrément. Moi, je suis d'accord. Et ils ont l'agrément parce que s'ils ne l'ont pas, ils peuvent ne pas avoir l'agrément. Ils ont l'agrément. Voilà. Premier point. Ils ont l'agrément. وسألته هل السلطات التونسية موافقة على هذا الأمر؟ قال
اللي هي تم اعلامها والجامعه هي التي تتكفل غدا بالتواصل اذا لهنا هذا في ما فهمته من كلامه. الموضوع في حد ذاته اي هو الموضوع في حد ذاته تدريس ما تم تاكيد 12000 طالب جنوب افريقي باش يدرس في الجامعة هذه جنوب أفريقيا فقط أنا مش من مناطق أخرى في جنوب الصحراء ولهنا باش نأكد على هذا مسيو ماتياس وي alors les ceux qui sont intéressés par ces 12000 première tranche 12000 bourses alors sont tous des africains sud-sahariens. Oui, même les Égyptiens, les Éthiopiens, tout africain. Mais la grande proportion, c'est ça. La grande proportion, c'est ça. Oui, exactement. Alors, pourquoi choisir la Tunisie? Pourquoi? Bon, et je donne directement une deuxième question. Pourquoi vous ne donnez pas ces bourses à ces intéressés dans leur pays natal? Comme ça, ils seront chez eux et ils étudient et ils font ce qu'ils font. Nous avons fait déjà près de 53 pays en Afrique et nous avons... dans le cadre de notre mission d'observation, nous avons étudié tous ces différents pays et nous avons trouvé que la Tunisie était meilleure. C'est bien. Par rapport à l'éducation des Africains. Je ne parle pas seulement des Afriques, l'Afrique noire en quelque sorte, l'Afrique en général. D'accord. Donc la Tunisie est meilleure par rapport à cette éducation. Aussi, je traduis. D'accord. Voilà. Je traduis. Alors, يقول الضيف أنه العمل نتاعهم هذا كان في عدة بلدان. وتم الاختيار على تونس لأن جدية دراستها ونظامها التدريسي وساعدون باش يكونوا موجودين في تونس. نواصل دونك. Les Tunisiens par exemple, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ces bourses? Pour l'instant, nous avons élaboré un programme ciblé dans les différents pays où nous avons l'agrément. En qualité de ONG accrédité. Donc, actuellement en Tunisie, je pense que pour Nouvelle Perspective, non. Voilà, non, parce qu'on n'a pas ciblé la Tunisie dans notre plan d'action. On a ciblé d'autres pays qui viendront en Tunisie pour fréquenter, ou bien pour étudier en quelque sorte. OK. Il y a pour le VAIF, nous, pour les Tunisiens, les Moujoudin en Tunis, غير معنيين بهذه المنح. لأسباب, طبعا, أنا لم تقنعني بعد. ولكن هذا رأيي. Monsieur Mathias, les quotas de chaque pays pour bénéficier de ces 12000 bourses en Tunisie. Et il y a un complément, je pense, de ça, de 8000 encore. Donc le total, ça va être dans les 20000 bourses. Ouais. Alors, d'abord, les quotas de chaque pays qui va être bénéficié de ces, de ces, de ces bourses. Deuxième chose, le montant de la bourse. Est-ce que suffit? Est-ce qu'elle suffit? L'étudiant qui vient enseigner en Tunisie, son logement, sa nourriture et son déplacement et tout. Voilà. Nous avons. Je vais faire une tournée pour rencontrer les différents. Quota, d'abord le quota. Oui, oui, justement, justement le quota. Okay. Oui. Je vais faire une tournée pour rencontrer les différentes autorités, les différents pays où nous sommes installés. Je pense que la première tournée c'est au Tchad. Où le quota du Tchad est à 1000 bourses que je vais donner au Tchad, que je vais proposer à l'État tchadien. Et ensuite, nous allons aller au Gabon pour proposer aussi au moins 2000 bourses au Gabon. Et ensuite, on a établi un programme pour atteindre les 20000 bourses, autant que pour moi. Donc, je pense que le total, jusqu'à l'année prochaine, on aura déjà atteint les 15000 bourses déjà validées. Pour le montant de bourses? Le montant de bourse, nous sommes à, voilà. Je ne sais pas s'il faut parler en dinar, je comprends, je ne connais pas, mais nous sommes dans les 3000 euros. Par mois? Non, pas par mois. Durant tout le cycle. Tout voilà. Le cycle, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, si vous êtes entré au nouveau bac, ouais. Vous avez 3 ans, ça fait 3000 euros. Si vous allez jusqu'au master... ça va dans les 4500 euros à mon tour. Pardon, vous pensez que c'est suffisant en Tunisie pour se loger, pour se nourrir 3000 euros par an, par 3 ans? Non, ce n'est pas suffisant. Il y a un programme qui a été établi. Il y a un programme, c'est un programme. Il y aura des accompagnements. Il y aura des partenaires qui vont accompagner les étudiants.
Parce que nouvelle perspective, voilà. Bon, parce que nouvelle perspective, c'est quand même une ONG qui a des partenaires qui les accompagnent. Je traduis, pardon, je traduis. Bonjour, merci. Hey, j'ai يقول ضعيف لي أنه الاختيار على تونس فسرناه قبل مش يكون على عدة بلدان ذكر تشاد ذكر غابون ذكر عدة بلدان ويقول أنه قيمة المنحة اللي مقترحة هي في حدود 3000 أورو في المدة الدراسية يعني بالنسبة للطالب الجديد مش يكون على 3 سنوات هذا سألته هل أنه هل القيمة هذه تكفي قال لا تكفي لكن سبش يكون هناك مرافقة من أولياء بتاعهم ربما ومن جهات أخرى لم يذكرها لماذا Monsieur Mathias, notre question, ces bourses vont être attribuées aux étudiants qui viennent d'une façon légale ou bien qui se trouvent en Tunisie en situation non légale. Nouvelle Perspective est une ONG qui a une forte crédibilité au niveau national et international. Quand je dis national, ça veut dire que tous ceux qui sont venus ici en mission, dans le cadre de mission Nouvelle Perspective, sont venus par avion et sont retournés dans leur pays. Ça veut dire que tous ceux qui viendront dans le cadre de venir étudier viendront de manière légale. Et nous allons mettre sur pied une structure qui sera chargée d'accompagner tous les étudiants qui seront dans le programme de cette convention. Donc ils viendront de manière légale. D'accord, je traduis. Je dis que tout le monde qui se met en train de faire cette minah va être de façon légale et de façon juste. Bon, on sait les habitudes et les coutumes africaines. C'est qu'il y a un Africain qui vient d'une façon légale. Oui. Mais il abrite une dizaine, même voire plus, qui ne sont pas légales. Donc, est-ce que vous avez pensé aux méthodes possibles pour ne pas avoir un qui est légal et avec lui toute une dizaine ou bien plusieurs membres qui viennent avec lui? Non, non, je vous ai expliqué. Et qu'ils abritent. Je vous ai expliqué. C'est depuis 2019 qu'on vient ici. Je sais. Ouais. Et puis, depuis ces jours, il n'y a aucun observateur venu d'Afrique ou bien de l'Europe qui est resté ou bien qui est venu de manière illégale. D'accord. Voilà, bien, même dans bien. Le cadre de leur D'accord. hospitalité, dans les différents hôtels, on s'assure que tout le monde vient et rentre. Mm-hmm. Donc, dans le cadre des étudiants, on va établir un programme sur pied qui sera chargé d'accompagner les étudiants. Très okay. bien. Voilà. Okay. Donc, D'accord. il n'y aura pas de étudiants qui viendront peut-être s'ajouter avec ceux qui sont déjà peut-être des immigrants qui sont sur place, qui ne sont pas autorisés à y être, non. Je traduis, si vous permettez. On a déjà... Saïd Mathias Singhé يقول أنه كل من سيأتي هو بشكل قانوني ويتمتع بهذه المنح ولا يمكن أن يكون معه مجموعة أخرى من الأشخاص اللي موجودين في تونس بشكل غير قانوني. مسيو ماتياس كلمة الختام سي محمد أي جست الموضوع. مسيو ماتياس l'origine de ces fonds qui sont, bien sûr, on ne sait rien du tout de ça. Et est-ce qu'elle a un rapport avec l'Union européenne qui vient dans le cadre d'implanter des Africains en Tunisie pour ne pas, bien sûr, immigrer vers l'Europe? Alors, franchement, vous allez me répondre sur ce point exact, d'accord? Le financement d'où vient et quels sont les gens ou bien les organismes qui subventionnent ces bourses. Je parle même avec 3000 dinars par, je ne sais pas, ça reste une somme colossale qui est grande, grosse, etc. Et surtout sur le titre de l'université qu'on m'a dit, je le connais personnellement, elle ne peut pas subvenir à ces demandes en aucun cas. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que ce programme est pour maintenant ou bien après un temps? Le programme dure pour 2 ans et la subvention des frais de ces fonds ne vient pas de l'Europe, ni d'une organisation européenne ou bien de l'organisation de la francophonie, non. C'est les membres, nous avons des partenaires qui sont des partenaires, qui ne sont pas des partenaires qui viennent de l'Europe, c'est des partenaires africains. Qui financent même nos propres missions d'observation.
Voilà, je pense, la dernière fois, on a déployé près de 25 membres observateurs qui sont venus observer les élections ici en Tunisie, qui ont été financés uniquement par l'organisation et par les membres de l'organisation. Donc, la subvention de ces fonds viendra sûrement par des partenaires qui ne sont pas des partenaires de l'Union européenne, non. Mm-hmm. C'est des partenaires de nouvelles perspectives. D'accord. Nous avons toujours été neutres. Mm-hmm. D'accord. Neutres dans nos financements. Je traduis, c'est à dire que مشكلة الاستيطان نفذ ذلك تماما وقال أن هذه الأموال تأتي من مستشارين أو أشخاص من أفريقيا وتسعى لتنمية أفريقيا وإلى آخره. سي محمد سامي كلمة الختام معناها جست مور ديرنيير كيستيون. مسيو ألوغ جيسبيغ بيان كو ليز أوتوريتي تونيزيان سا سي تري امبورتون باسكو سي إل كي سون ريسبونسابل au bon, parce que le problème avec l'étranger, avec tout ça, ainsi de suite, d'après ce que vous dites, c'est extraordinaire. Seulement, il faut que les autorités tunisiennes soient d'accord et vous donnent les possibilités d'exercer. Donc, personnellement, je n'ai pas de problème dans le sens où il y a des clartés, il y a tout est clair, tout est bien. Alors, mais simplement, ce nombre-là alors, cette faculté privée, elle ne peut pas les contenir tous en même temps. Mm-hmm. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mathias Ndi. Merci beaucoup. Merci. ممثل عن منظمة الأمم المتحدة.